Salut et bienvenue dans cette vidéo super ultra rapide. Si jamais vous avez mis Lightroom à jour dans ce mois d'octobre, je crois que l'update date de, d'octobre, début octobre. Donc laissez-moi juste voir quelle version c'est. On voit que j'ai super bien préparé cette vidéo. C'est 2015.2 de Lightroom CC. Vous avez peut-être remarqué quelques changements dans le sens de l'importation, mais surtout des changements que Lightroom soit plante ou soit est genre juste super ultra lent, peu importe le cliché que vous voulez traiter. Il y a une petite solution pour ça en attendant un autre update d'Adobe que je vais vous montrer tout de suite afin que vous puissiez quand même utiliser Lightroom, parce que moi ça m'a fait deux jours où j'ai cru péter un câble, où j'ai traité sur Capture One en version démo parce que je pouvais pas bosser avec Lightroom, chose qui est juste super pénible. Donc je vous propose tout de suite de découvrir la demi-solution qu'on a pour régler ce problème. Alors, une fois que votre Lightroom est ouvert, alors chez moi c'est en anglais, ne faites pas attention à ça. Donc vous allez dans édition, préférences, et vous décochez cette case-là qui dit « Show add photo screen », donc ça veut montrer « Ajouter photo sur l'écran » en français. Vous le décochez et ensuite vous faites « Redémarrer Lightroom ». Attention, même moi pour ouvrir les préférences et décocher ça, ça m'a pris genre 2 minutes parce que Lightroom était tellement lent. Maintenant ça va beaucoup mieux, il n'y a plus de gros ralentissements, mais voilà, enfin là c'était pas une bonne idée de sortir l'update aussitôt. Je vous dis à très vite et puis on se retrouve dans une autre vidéo où je vais vous parler un peu d'un autre appareil photo.